Hey, salut à tous les amis, c'est Okal, on se retrouve pour le 7ème épisode de la série Yoke Adventure numéro 2. 7ème épisode, ouais déjà, putain, ça trace quand même cet épisode, mon dieu, c'est long. Donc, la dernière fois, nous avions miné, miné, miné et encore miné. Aujourd'hui, il est temps de construire. Voilà, aujourd'hui, c'est l'heure de construire. Aujourd'hui, c'est l'heure de construire une muraille pour défendre la ville. Oui, je dis, oui, la ville, parce que clairement, il est grand. Hein, il est très grand comme village. Donc il nous faut une muraille. Il nous faut quelque chose capable de défendre tout ce merdier. Et je ne vois rien de mieux qu'une bonne vieille muraille énorme et gigantesque pour défendre tout ce qu'on a de précieux. Enfin tout ce qu'on a comme maison et comme villageois. Acquire hardware. Ok, oui, enfin peut-être acquire hardware si tu veux. Mais là, ça va plutôt être... Oui, j'ai plus de fer, j'ai plus de... J'avais pas masse minerai de fer, l'autre coup. Je ne peux même pas ouvrir ce four, pourquoi? Un bug? Il y a un bug, très bien, masse bug. Pluie de bug, ok d'accord, c'est normal, normal, du bug. Du bug, du bug, et encore du bug. On va stocker toute la ferraille qu'on a là, parce qu'on en a beaucoup trop. Ah, 50, oui, beaucoup trop de ferraille. Maintenant que celle-là s'est transformée. Merde, putain, j'ai été trop vite. Bon, c'est pas grave, fuck it. On va la mettre là. Voilà. Et on va se faire le fer en passant. Donc là, j'ai quoi? Une scie qui me sert absolument à rien. Ah oui, la glace bottle, on va la mettre là. Voilà. Les yeux d'araignée, je suppose que c'est là-dedans. Non? Bah on va les virer, on va les mettre là-dedans. Ce sera mieux. La gunpowder, c'est là-dedans. Les os aussi. Les strings, c'est là-dedans. Les flèches, c'est sur moi. La rotten flèche. J'ai un coffre à rotten flèche? Non, j'ai pas de coffre à rotten flèche. Donc oui, je la garde, la rotten flèche, de toute façon. Et ah oui, l'émeraude, par contre, on va la ranger. 4 émeraudes pour l'instant. 4! Comme les clés dans... Comme passe-partout avec les clés... Dans Fort Boyard, voilà. J'ai imaginé que j'ai fait la même chose. Du coup, nous avons des patates, nous avons de quoi manger. Allons-y, c'est l'heure du build. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, il nous faut une très grande muraille. Il nous faut une très grande muraille. On va prendre ça dans la muraille, obligé. Donc une muraille de 2, hein. Pas besoin d'aller plus haut que ça. On va prendre ce champ avec nous dans la muraille. Voilà. Je vais essayer de l'opti pour pas cramer beaucoup de cobble. Si possible. Et après, il faudra bien sûr qu'on mette de la... Comment? Qu'on mette de la... Oui, j'ai une timer, je suis un peu con moi aussi. Qu'on mette des torches partout. Voilà, qu'on mette des torches partout à l'intérieur de cette muraille. Faudra qu'on torche ça à l'infini. Pour éviter de se faire niquer par les monstres qui pop à l'intérieur. Hop, on va agrandir un peu ici. Hop, même chose ici. Même chose ici. Et là, du coup, on est à 2. Voilà, on peut même faire plus safe encore. Voilà, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de mob qui passe. Il ne faut pas qu'il y ait de mob qui... Foutu lapin. Il ne faut pas qu'il y ait de mob qui passe. Parce que si les mobs viennent à envahir mon village la nuit, je serai niqué. Parce que là, mon but, ça va être de libérer les villageois quand même. Parce que depuis toujours, ils sont enfermés, les pauvres. Je les ai enfermés comme un gros nazi des familles. Là. Je les ai pris en camp de concentration. Et non, je ne veux pas. C'est pas le but. Le but de l'aventure n'est pas de garder tous ces gentils messieurs enfermés. Alors oui, je pourrais faire une muraille que d'un bloc. Je pourrais faire juste une ligne volante, en fait. Mais bon, je trouve pas ça beau. Enfin, je trouve pas ça stylé. Je préfère avoir une muraille en cobble bien laide, mais une vraie muraille quoi. J'ai pas envie, parce que les araignées, déjà les araignées peuvent passer en plus. Donc non, on va pas faire ça. On va prendre ce champ là avec nous. Je vais longer le champ histoire de pouvoir sauter par-dessus la muraille quand j'en aurai besoin.
On va faire ça, ce sera beaucoup plus opti. Sera plus, c'est plus opti si je reste sur la hauteur. Là, il nous faut du 3. Hop, 1, 2, 3. Là, il nous faut du 2, 1, 2. Non, on va mettre du 3 quand même. Là, il nous faut... on va construire comme ça. Hop, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Est-ce qu'on prend... Oui, on va prendre les champs là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mine de rien, ça part vite, putain. On va faire une porte ici. Je propose qu'on fasse une porte ici. Pour les portes, bien sûr, on va mettre des escaliers. On va faire une porte simple, hein. Écoutez, on va pas chercher grand compliqué. Tac, hop, hop, hop. On va la faire un peu plus haute que le reste de la muraille, c'est tout. Voilà, on va faire un petit escalier là. Merde, non, je suis un peu con, moi. Je suis très con, moi, d'ailleurs. Le but, c'est que ce soit collé. Voilà. Tac, tac. Ah merde, merde, merde. Tac, tac, tac. Et là, on part sur ça. Voilà. Une porte. Et bien sûr, pour que la porte soit protégée, on va mettre des sticks. Avec ça. Non, comment on fait des barrières? On va faire des planches. On va faire des planches et des sticks. Donc attendez, si je fais ça, que je mets ça, nous avons une porte. Il faut trois portes. Voilà. Protégé. C'est protégé pour l'instant. C'est bon. Donc on peut détruire ça. Tu reviens avec nous, toi. Suis-nous. Voilà. Parfait. Donc là, la muraille, ça avance. Tac, tac. Donc on va suivre là. Plutôt que de monter la muraille, on va baisser la terre. Voilà. Suive. Hop, hac, hac, tac, 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 tac. Je pense qu'on va couper là-bas. C'est mine de rien, ça prend quand même beaucoup de cobble. Hein. Je pense que j'aurai bien assez de tous mes stacks. Je sais même pas si j'en aurai assez en fait. J'ai bien fait de prendre autant de stacks. C'est très stupide le petit truc que j'ai fait là. C'est très très stupide. On va retirer ça tellement c'est stupide. C'était complètement idiot. Voilà. Autant faire une ligne droite. Beaucoup plus rentable. Hop. Et là, on va aller se recharger en cobble parce que du coup, on en a plus. On a déjà plus de cobble, putain. J'y crois pas. Ça consomme de faire une muraille. Ça prend toute la cobble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ignore cette maison? Non, on va la prendre quand même avec nous. On va pas ignorer ce pauvre homme. Et du coup, on commence déjà à avoir un bon domaine. Hein. Par contre, on a toute cette partie-là à faire. Il faudrait que je prenne un peu de hauteur pour voir. Jusque là-bas, il nous faut à peu près pareil. Enfin, à peu près autant. Mais il nous faut autant. J'ai bien dit autant. Il nous faut autant de co. Ah, deux stacks, ça suffira pas. Hein. Il va falloir que je creuse. Il va falloir que j'aille creuser. Il va falloir beaucoup plus de cobble que ça. Et j'ai masse niveau, soit dit en passant.
Est-ce que j'ai une table? Oui, j'ai une table enchante. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je me crée une pioche? Ah, d'ailleurs, j'ai des diamants. Bah, vous savez quoi? On va se tenter une pioche en diamant. Voilà, on va se tenter une petite pioche en diamant. Allez, poseille. J'ai envie. La diamond. Et ouais, on va lui mettre un enchantement. Est-ce que j'ai des bibliothèques? J'ai pas de bibliothèque. Est-ce qu'on attend pour mettre des bibliothèques ou pas? On chope un enchantement direct. Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est worth? Est-ce que c'est pas worth? Fuck it, on prend un enchantement et puis ce sera bien. On va prendre le plus cher de toute façon. Alors, efficiency, donc efficacité. Je ne veux pas efficacité. On va prendre 6. Pourquoi il y a 6 et 3 du coup? On va prendre celui-là. 6, 1. D'accord. Efficacité 1. Ok, pioche plus vite. Génial, on pourra miner de l'obsidienne plus vite. Donc on a une grosse diamond pickaxe pour l'obsidienne. Ok, je vais la garder sur moi au pire. Je compte pas mourir. La pie par contre, je peux le ranger parce que je compte pas m'en servir du coup. Et le diamant également, je peux également le ranger. Voilà. Du coup, bah, on va essayer de finir cette muraille avec le peu de pierre qu'on a, mais ça m'étonnerait que ça passe. Loin de là. Ça m'étonnerait vraiment que ça passe. Ah non, on a encore beaucoup trop de distance à couvrir. On va couper juste à côté de cette maison, qui sera réhabilitée en tour. Cette maison va être réhabilitée en tour. Excusez-moi. Pardon. Ouais, non, on va vraiment faire une tour en fait. Je suis un peu con, mais non, on va partir sur une vraie tour. Mais ta mère, l'araignée! Voilà. On va partir sur la vraie tour. Et du coup, elle va nous servir pour la muraille. Voilà, comme de l'autre côté. C'est parfait. Donc, ça, c'est notre tour. Notre tour de défense. On va mettre un petit. Comment? Un petit bloc en plein milieu, histoire que je puisse sauter sur ça. Et on va mettre une table de craft. Et on va faire les. Attendez, on va déjà accueillir nos deux amis là. Non, c'est bon, ils s'en battent les couilles. Non, monsieur? M'en veulent? Vous voulez ma mort, je suppose. Normal, comme tout le monde. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc on va pouvoir faire les portes. Jamais arrivé. On va faire ça, tac, et puis hop, hop, et tac, et voilà, ce sera beaucoup plus facile comme ça. Porte, porte, porte. Parfait. Donc deux portes de ville pour l'instant. Je vais en construire trois autres. Hein. Je vais en construire. Il y en a certaines que je vais construire là-bas et là-bas. Enfin bref, je vais en construire des portes de ville parce que là, ça suffira pas si j'en mets que deux. C'est pas drôle, c'est pas stylé. On y retourne. Donc là, on va pouvoir couper un peu plus droit. Et économiser beaucoup de pierres. On va pas s'amuser à ce que tu me casses tout, hein? Le but, c'est d'économiser. Je répète, économie. Merci. Non mais oh, tu vas me casser ma pauvre pierre. Dans une explosion, tu récupères pas tout, hein? Des connards, les creepers, ils te niquent tes constructions et en plus de ça, ils te les redonnent pas vraiment. C'est vraiment des connards en fait. On va utiliser le relief pour barricader notre camp. Mais par contre, voilà, on va faire ça. Voilà. Est-ce qu'on peut tracer directement jusqu'à la. C'est pas loin.
pas loin, mais on n'aura pas assez. Ou alors faut finir avec la terre. Et je me refuse à finir avec la terre. Parce que la terre c'est trop moche. Merde. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Mais là, il y a trop de relief. Non, non. Non, non. Non, non. Non, 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 toujours pas, non. Désolé. Trop de relief, trop de relief, trop de relief. Attendez, bah, je peux peut-être jouer avec le relief, justement. Enfin, une tranchée. Alors, on va jouer avec le relief. On va niquer un peu tout ça. Et la terre va me servir de base. Regardez, au lieu de faire des trucs comme ça, on va mettre de la terre. On va créer notre propre relief. Voilà, c'est de l'aménagement, hein. Aménagement basique. Donc, est-ce qu'un mob peut passer là? Ah oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Là, on a besoin que de 2. Non, on va mettre de la terre. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. On est vraiment à côté. Je suis un peu en rage, nous sommes à côté. Bon, bah, du coup, on va faire les portes. Non, je propose qu'on fasse les portes, ça va nous libérer de la cobble si on fait des portes. On fait une là. Porte, 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 porte et porte. Voilà, on va faire des portes de la ville ici. Est-ce qu'on refait des escaliers en cobble? Oui, on va faire des escaliers en cobble. De toute façon, écoutez, au pire, on va en tailler un peu. Au pire, je pense que je peux aller en tailler un peu. C'est pas un problème. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui, j'ai 3 minutes. 3 minutes, j'ai largement le temps. On va aller voir les poulets. Bonjour poulet, je viens chercher un peu de cobble. Je vais vous faire de la place. Vous êtes content? Voilà, soyez heureux. Et prenez-vous vos œufs dans la gueule. Et tiens, il bouffe une seed. Voilà. Cadeau. Tiens, une seed. Juste une. Bon, parfait. Et avec la cobble qui reste, on va pouvoir faire les portes. Très bien, bon, on a réussi à faire la putain de muraille, j'y crois pas. On a réussi à la faire, hein, cette saloperie de muraille. On l'a fait. C'est très bien. C'est excellent. C'est excellent, excellent. Ouais, mais bon, on va avoir du mal quand même là ici. Bizarrement, on va avoir du mal quand même. Je vais aller chercher plus de cobble. Chez les vaches, ce coup-ci. J'ai le droit d'avoir de la place aussi. Tiens, puis du fer. Voilà, ça leur fera un petit trou. Alors là, j'ai masse cobble. Ça servira à renforcer la muraille aux endroits où elle est la plus faible. Mais j'espère que personne ne passera par contre. Enfin, j'espère que les monstres ne passeront pas. Parce que normalement, pour moi, elle est au petit en fait. Pour moi, elle est bien là. On a ce qu'il faut. Bon, pour moi, elle est vachement bien. J'ai cru qu'il y avait un putain de creeper qui s'approchait. Mon dieu, vous imaginez même pas la peur qui m'a fait ce mouton. Et là, on va faire tac, 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 tac. On va mettre ça. Voilà. Et comme ça, là, on met. Mur, 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 mur. Ils sont bien. Sert absolument à rien.
petit truc, viens là. Donc là, s'il y a des portes, c'est bon. Et après, on n'aura plus qu'à faire tout le torching industriel et absolu de toute la zone. On torche tout. Rien ne peut passer. Rien ne doit passer. Et rien ne passera. Là, par contre, on va refaire une autre porte ici. Bah, vous savez qu'on va même modifier un peu l'angle, enfin la façon dont est faite la muraille. Pour que la porte arrive dans le gravier. Oui, je sais. Je sais que c'est la fin. Ah, c'est une grosse fin là. C'est fin plus un message. Même pas du tout, d'accord. C'est juste que mon portable a décidé de vibrer plein de fois maintenant. Pour m'indiquer que c'est la fin de l'épisode. Parfait. Tac, tac, tac. Hop, hop. Et voilà, la dernière porte est terminée, on n'a plus qu'à mettre les gates. Et voilà, nous sommes imperméabilisés à toute attaque venant de l'extérieur. Théoriquement, c'est bon. Théoriquement, rien ne peut passer. Rien ne peut passer. Normalement, c'est bon, je regarde un peu s'il y a une faiblesse à un endroit, mais non, rien ne peut passer. Rien ne peut passer. Si, de toute façon, si je peux passer en courant, enfin, si je peux pas passer en courant, c'est que les monstres ne passeront pas vu qu'ils marchent. Donc, ouais, non, c'est impossible de passer. Ok, ça me paraît un peu faible, mais bon. Ils peuvent pas passer. Ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Là, ils pourront pas non plus. Non, c'est une muraille réussie. C'est une muraille magnifiquement réussie. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant que nous sommes surprotégés à l'infini, il n'y a plus qu'à torcher. Il n'y a plus qu'à torcher tout ça. Et c'est là que tout le charbon qu'on a récolté va nous être très utile parce que bah, là, il va falloir en mettre masse des torches. Parce que vu la zone à couvrir, mon Dieu, qu'il va en falloir. Je vais commencer d'ailleurs. Voilà. Hop. Hop. Bon, sur ce, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était plutôt plat. C'est un épisode tout bête, mais bon, fallait faire la muraille, donc je l'ai faite. Voilà, donc si vous vouliez savoir comment construire une muraille dans Minecraft, eh bien, regardez cet épisode. Il vous apprendra à le faire. Là, on a fait, je pense qu'on a fait quand même une muraille assez costaud. Donc, c'est comment protéger un village de façon basique, hein. Vous mettez de la cobble partout, vous mettez des torches partout, et puis voilà. Vous avez votre protection contre les zombies et contre les monstres tous chiants qui veulent bouffer vos villageois et qui vous cassent les burnes. Alors que vous êtes tranquille chez vous, ils viennent vous agresser, c'est très chiant. J'ai plus de torches, parfait. Donc du coup la zone là devrait être plutôt illuminée. C'est pas mal. Du coup, bon bah je vais pouvoir libérer les villageois. Je pense que je vais le faire dans le prochain épisode, ainsi que finir le torching. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, bien sûr, ça fait toujours très très plaisir. Je vais nourrir les poulains en attendant. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, bien sûr, ça fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter. Les liens sont dans la chaîne, sont dans la description, pardon. Et n'hésitez pas également à commenter la vidéo. Voilà. Tac, on va aller nourrir les petits poulets, comme ça ils seront contents. Poulet, 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 nourriture, nourriture, poulet. Voilà, faites l'amour, comme ça vous me filez vos œufs, les œufs je les éclate, parce qu'il n'y a pas de respect, ça fait des petits poulets en plus. C'est bon, chacun a eu sa dose, parfait. Hop, les vaches. Et on en aura fini. Voilà, bonjour les vaches. Oh du blé, oh du blé, du blé, oh de magnifique blé, oh là là les enfants. Voilà, oh, les enfants, plus d'enfants parce que je vous ai donné du blé. Ils sont nourris, ils sont heureux. Vive les vaches. Voilà, bon bah sur ce, écoutez, salut à tous et à la prochaine. Allez hop.